Mais qu'est-ce qui amène, je suis choqué par quoi? Par les raisons de cette annulation. Ce déferlement de haine, ce déferlement de violence, et même pire, des atteintes à l'intégrité physique du maire et de sa famille. Jusqu'à là, c'est allé ces menaces. Des milliers de messages, vraiment, il a été amené. Mais annuler ce constat, ce n'est pas donner gain de cause à ces personnes qui ont proféré des menaces. Mais vous avez bien vu que les avis sont partagés, mitigés. J'aurais souhaité qu'on ne soit pas dans cette situation. Mais le maire a pris une responsabilité. Il est responsable de la police dans sa ville. Je ne peux que respecter sa décision et surtout dans la façon dont ça s'est fait. Ce sont toujours les mêmes pour chaque commémoration, alors qu'on devrait rendre hommage dans la sérénité, rassembler l'opinion publique, la nation, autour de ces commémorations. Vous savez, ceux qui sont venus mourir à Verdun, les poilus, ils étaient toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Et ils sont venus à Verdun, leur sang qui coulait dans les tranchées avait la même couleur. Et on s'en est pris à l'intégrité physique du maire, mais probablement aussi à l'intégrité physique du chanteur.